Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux pour célébrer avec nous la sortie de ce disque et ce concert. Donc on va commencer par quatre titres en français de Forêt. Donc comme vous le savez peut-être, ce programme il tourne autour de la chanson d'amour, populaire ou classique, hispanique ou francophone. Et du coup là on commence avec la musique classique et donc avec Gabriel Forêt. Et tout au long de ce récital, on va pouvoir voyager à travers les chansons d'amour, que ce soit l'amour d'une mère pour son enfant, que ce soit l'amour passionné, l'amour déçu. C'est un thème peut-être un peu bateau, mais c'est un thème qui nous touche tous. C'est quelque chose qu'on a tous vécu, ou en tout cas espéré, j'espère. Et du coup, voilà, on a commencé avec « Automne ». Et maintenant, on va avoir chanson d'amour, une vraie déclaration. Et ensuite, on aura après un rêve qui est très sensuel et la chanson d'une mère pour son enfant, une berceuse qui s'appelle Les Berceaux, avec un rapport entre les marins qui s'en vont et qui laissent derrière eux la mère et l'enfant. Voilà, forêt, trois forêts en plus. Oh.
Pour ce prochain titre, c'est une chanson de Massenet qui s'appelle Nuit d'Espagne. Et c'est un petit peu comme la réunion entre justement ce monde francophone et ce monde hispanique, puisque ça nous parle de ces nuits un peu chaudes d'Espagne, avec toute cette nature, avec aussi ce qu'on entrevoit au travers des rideaux, des fenêtres. Donc il y a un côté aussi très sensuel. Mais c'est Massenet, c'est français. Et du coup, ça fait se rejoindre ces deux univers et ces voyages de ce récital. Nuit d'Espagne de Massenet.
Bonsoir à tous. Vous allez bien ? Elle chante bien quand même, hein. C'est agréable, hein. Alors pour le prochain titre, je vais jouer seul, mais elle reviendra après, vous inquiétez pas. Je vais vous jouer une petite pièce pour guitare seule qui s'appelle Madronios. Madronios, donc c'est, ça veut dire les arbousiers. Et c'est une pièce de Federico Moreno Torroba. Donc Torroba, c'est un compositeur complètement dans la tradition espagnole. Il est né en Espagne, il a vécu en Espagne, il est mort en Espagne. Et il a écrit toute sa vie des zarzuelas, qui sont des sortes de petites opérettes voilà, sur des drames amoureux espagnols. Et il a écrit beaucoup d'œuvres pour la guitare, toujours liées à la tradition de son pays. Et donc là, je vais vous jouer donc, cette pièce qui est un fandango, et qui s'appelle Madronios. C'est pour l'habitude du micro. Hein. Il joue bien, hein ? Maintenant, on arrive un peu plus en Espagne avec une chanson que peut-être vous connaissez, qui a été reprise maintes fois, notamment par Dalida. Et là, on va avoir un parallèle entre deux histoires d'amour qui étaient très idéalisées, mais qui n'ont pas fini très bien. Donc la première, c'est Historia de un amor. Voilà, j'ai jamais pensé avoir un amour qui m'aurait tant appris, qui m'aurait emmené dans le septième ciel et que je ne retrouverais jamais. Et ensuite, Léo Ferré, La vie d'artiste, avec aussi cette
cette désillusion d'un amour bohème un peu fougueux quand on est jeune, et puis la réalité qui s'installe. Mais bon, c'est en français et j'espère que vous comprendrez mon texte. Et pour Historia de una mort, on a un petit invité surprise. C'est quelqu'un que j'invite régulièrement sur mes récitals. Il amène son groove, son swag et son swing. Et c'est Jerry Lopez, saxophoniste. Jerry Lopez, Historia de una mort.
Donc, je dois dire quelque chose apparemment. Donc, ce récital, en fait, il est né pendant le confinement. En fait, Gabriel et moi, on s'était rencontrés sur une chanson qu'on va vous jouer plus tard. Dans un concert, avec très peu de temps, on s'était tout de suite entendus sur les arrangements qu'il avait faits. On n'avait pas trop le choix, de toute façon, parce qu'on avait 5 minutes et ensuite on devait aller sur scène. On était obligés de jouer ensemble aussi à ce moment-là. C'est ça. Et là, on s'est retrouvés sur scène et ça a été un peu un coup de foudre musical. Mais on avait tous les deux des calendriers très, très pris. Et du coup, le confinement, la pandémie, et tout à coup, on a du temps. Et je lui ai écrit, tu veux pas qu'on en profite pour construire un récital ? Et on a tous les deux cette volonté d'aller un petit peu plus loin que le récital classique avec piano, Schubert. Et on a tous les deux cet amour aussi pour les musiques qui sortent un peu de la musique classique, les musiques populaires. Et donc ça a été un vrai challenge parce que tout ce que vous entendez maintenant, c'est pas forcément écrit pour la guitare à la base. C'est souvent écrit pour piano et voix. Et du coup, Gabriel a réarrangé tout pour guitare-voix. Et du coup, ça donne des couleurs un peu inhabituelles et un peu plus intimes qui, moi, me plaisent beaucoup. Et voilà, c'est comme ça que ce récital est né. Et depuis, on l'a donné un peu partout. Et on en a sorti enfin un disque qu'on vous signera après, si vous voulez l'acheter, à la sortie de ce concert. Revenons à nos amours idéaux mais déçus avec Léo Ferré. On s'est aimé, et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver, et tu croyais à ma bohème, mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui, depuis qu'on est toi et moi, nous revient 7 fois par semaine. Et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié de ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours. Profites-en, mon pauvre amour. Les belles années passent vite. Maintenant, tu vas partir, tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi, comme c'est triste. Tu peux emporter le phono. Moi, je conserve le piano. Continue ma vie d'artiste. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, lisant nos noms sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais un peu triste, toi qui sais, tu lui diras que je m'en fiche. Que je m'en fiche! Que je m'en fiche!
On part maintenant en Amérique latine avec une chanson que j'adore, que j'écoute presque tous les jours. Et en fait, je pensais que c'était plutôt une chanson pour danser un peu positive. Et après, j'ai lu le texte. Et en fait, pas du tout. C'est Dos Gardenias de Buena Vista Social Club. Et en fait, c'est, voilà, je vais t'offrir des fleurs, toi, mon amour. Alors, jusque-là, tout va bien. Sauf que ces fleurs, en fait, elles symbolisent notre amour. Et donc, si, quand je reviens, elles sont fanées ou que tu n'en as pas pris soin, ça veut dire que tu me trompes. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, on va vous interpréter maintenant un grand classique vraiment du répertoire pour mezzo, les 7 chansons populaires espagnoles de Manuel de Falla. Donc, ça parle d'amour. L'amour en Espagne, ça n'a pas l'air d'être toujours facile quand même. Alors, on passe par énormément d'émotions dans cette pièce. Il y a évidemment de la tendresse, il y a aussi beaucoup de jalousie. Il y a un petit peu de solitude et il y a énormément de colère, surtout à la fin. Ça termine par vraiment par le cri de douleur, le coup de poignard. Voilà, ce sont des scènes. Encore une fois, Manuel de Falla nous fait voyager en Espagne. Il y a évidemment l'Andalousie qui est très présente, mais il y a aussi la région d'Aragon avec la Rota. Il y a la région de Murcie avec les Seguidilles. Et donc, on voyage un petit peu en Espagne avec à chaque fois des petites scènes comme ça qui sont toujours sur l'amour. Voilà, donc les 7 chansons populaires de Manuel de Falla. Asturiana.
Et
De la fin de ce programme et de cette soirée. Vous êtes une super compagnie, en tout cas. Et je voulais vous présenter le prochain morceau parce qu'il est très particulier. C'est le seul morceau dont la compositrice, non seulement est toujours vivante, mais est parmi nous ce soir. Et voilà, c'est un morceau qu'elle a composé pour moi, mon amie Inès Halimi. Elle-même a fait des études d'abord de jazz, puis de classique, de lyrique. Donc, on est un peu similaire dans les parcours, puisque, je ne sais pas si vous savez, mais mon parcours ne fut pas une ligne droite. Et voilà, je lui avais demandé un morceau qui puisse réunir justement un peu ces deux univers. Et elle a composé cette œuvre qui s'appelle Quiero. Donc, c'est un titre espagnol avec un texte en français. Et on sent, c'est un peu comme le résumé de tout ce qui vient de se passer. C'est une explication de ce qu'est l'amour, avec toutes ses formes, tous ses visages. Et on entend un peu l'Espagne derrière, même si c'est un texte en français. Quiero de Inés Halimi. Querir et sécher
c'est un ordre ou une prière, une déclaration ou une condescendance. Alors on va peut-être finir ce programme avec cette chanson. Et avant ça, je voulais bien sûr remercier tous ces gens qui œuvrent pour ce festival. C'est un festival qui me tient vraiment à cœur, avec des gens tellement passionnés. Vous les voyez quand ils ne sont pas en train d'organiser un de leurs nombreux festivals, parce que je crois qu'à eux deux, ils en ont trois. Vous les voyez toujours dans une salle de concert, voir le ballet Béjart, des passionnés de musique, des passionnés d'art. Et tous ces jeunes bénévoles, j'ai jamais vu autant de jeunes bénévoles dans un festival qui travaillent jour et nuit, et gratuitement pour nous, pour vous. C'est vraiment une ambiance, une atmosphère, ce festival, que j'aime. Et surtout, ils ont une ouverture d'esprit. Ils me proposent toujours de faire des cartes blanches. Et ils ne regardent même pas le programme, ils le découvrent le jour même. C'est quand même une belle preuve à la fois de confiance et d'ouverture d'esprit. Et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Et moi, c'est ce qui me parle et c'est ce qui me fait vibrer. Et du coup, voilà, je les remercie de nous avoir encore invités, de m'avoir encore invité cette fois-ci avec Gabriel pour fêter la sortie du disque en Suisse. Je vous rappelle aussi que même si le festival est gratuit, ce qui est quand même en Suisse déjà incroyable, vous pouvez... C'est aussi participatif, ça veut dire qu'à la fin, vous pouvez donner ce que vous souhaitez pour les soutenir, et ils le méritent vraiment. Je voudrais aussi remercier la RTS, parce que, comme vous voyez, le concert est enregistré, et aussi tous ceux qui sont là pour faire les photos, les vidéos, le son, la lumière, enfin tous ceux qui participent à ce concert. Donc un grand applaudissement à eux tous d'abord. Bravo. Et donc on va se quitter sur ce titre sur lequel Gabriel et moi on s'est rencontrés. C'est un titre de Jacques Brel, c'est pour moi, je pense, la plus belle chanson d'amour qui existe. C'est un peu aussi pour finir ce programme où il y a eu quand même beaucoup de jalousie, de choses dures, de choses tristes, d'idéaux, de déceptions. Là, c'est un peu l'espoir, c'est l'amour qui survit à tout ça. Malgré tout, toutes les tempêtes, tous les orages, tout ce qui n'a pas fonctionné, les tromperies. À la fin du jour, je t'aime encore. Jacques Brel, la chanson des vieux amants.
je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, il eût fallu bien du talent pour être vieux sans être adulte. Merci vraiment pour votre accueil. Je trouve qu'on n'a pas assez entendu Jerry. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors du coup, on va vous faire un bis qu'on n'a jamais fait tous les trois. Voilà. Donc, on se lance. Et c'est une... Tu veux parler? Bah oui. Ah. Alors en fait, parce que je dois vous parler du disque normalement. Ah oui. Voilà. Donc c'est en réalité, c'est le concert de sortie aujourd'hui en Suisse. Le disque est sorti il y a 3 semaines et il est, il est à l'entrée. Vous pouvez vous le procurer, on sera là pour le signer, bref, n'hésitez pas à venir, à l'acheter, à échanger avec nous après. Voilà. Et puis maintenant, on va vous jouer une... Marina présente mieux que moi les pièces, je préfère lui rendre le micro.
C'est Aljaro Aguaje Beber. Alors,
On va vous en faire un petit dernier. Et après, je crois qu'il faudra quand même qu'on laisse la salle libre pour le prochain concert. Alors, c'est aussi un titre qui est sur le disque. Et alors, vous allez me dire, c'est pas l'Espagne, c'est pas la France. C'est vrai. Mais c'est quand même génial, parce que c'est Rossini. Et Rossini, c'est un peu mon grand amour quand je chante de l'opéra. Et voilà, donc c'est censé être pour ténor, mais bon, je le ferai version mezzo. Et ça s'appelle La Danza, et c'est, je pense, le morceau le plus dur de notre disque. Voilà. Donc, on y va. Con la bruna va qua e là, con la rosa va seconda, con la smorfa fermo sta.